toujours pas arrivé dans une sorte de labyrinthe, sous pas honnête. Parce que ça me pense qui est important, en cause, qui permet que nous arrivions là, je veux dire. Moi, je pense que, l'autre point est un coup, Paul Denis, par exemple, qui c'est un sénateur, n'a capable de dire au-dessus de tout soupçon. En matière de manche longue cité, oui. Avait dit que c'est pour un nègre qui a dit que manche longue, etc. Non, il y a du tout. Et monsieur produit un rapport contre la corruption pendant certaines périodes. Il n'est pas occupé. Ça aurait dit pourtant pour ne pas occuper par la période. Il n'est pas occupé. Maintenant, monsieur, j'ai été dans le Parlement, c'est un juge qui était à l'empalais, et puis après ça. On était mouri. Joseph, c'est Joseph. Il y a une commission sénatoriale qui t'a fait une enquête. Et puis, je me suis regardé. À un certain moment donné, je me dis, monsieur, nous avons aimé que nous soyons honnêtes dans cette affaire. Parce qu'en fait, l'on a fait enquête, c'est qui moun qui mandait enquête là. Moun qui mandait enquête là, c'est clair que. L'État a besoin que la vini nan en favelle. L'ap magouye avec chiffre aux gens capables. Et puis pour que normalement l'arrivée atteigne l'objectif. Mais à un certain moment donné, moi, la te tellement grossier. Les ça, m'te sénateur Adni qui était encore membre de l'OPL. Et puis, moi, obligé de monter dans l'OPL. Moi, à le côté coordonnateur. Général, là, à l'époque, qui était sauvé Bétienne, il me dit qu'il faut arrêter, monsieur, dans le comité exécutif parti, hein, pour que normalement nous disions un mot sur la question, ça, parce que je trouvais que il n'a pas une approche scientifique du tout. Il en est de même, par exemple, lors d'hommes et gens qu'on nous gens. Par exemple, si tu as mis un chit à l'homme, tu as vécu pendant 6 ans avec Beauplan, qui il est. On m'a dit que antécédent au Maroneo. Mais homme politique là, j'ai vécu avec lui, je sais ce qu'il pense, comment il conçoit les choses, ou t'as demandé pour Yuri, ou t'as demandé pour Dera, ou t'as demandé pour Maroneo. N'importe n'est que vivre ensemble avec eux en bas, que n'importe où, on a une opinion privée et compagnie. J'ai cité Paul Denis. Pour moi, il n'y a pas de bail pour l'importance. Et me qualifier, monsieur, comme on est que capable de dire d'une certaine honnêteté. Tandis qu'il y a eu des rapports qui sont venus après. Des rapports qui sont venus après. Non, je veux parler de ces rapports-là. C'est le côté pédagogique. Le côté pédagogique de ces rapports. Que me trouver que. Qui pas fiable. Je vais vous dire ça, pas fiable. C'est le par exemple où dit que. Généralement, soit font un rapport, c'est pour prendre une période à une période. Qu'est-ce qui s'est passé, effectivement? Tout le monde peut constater, lors d'un petit pays dans Haïti, effectivement, il y a lieu de parler d'une certaine dilapidation. Dans le sens que, si je prends le Parlement, par exemple, tu as un cop qui te baille, pour te commencer le Parlement, oui, l'argent, on partit dans le cop là, il a été débloqué. Mm-hmm. Et puis, on est venu, on a planté 2-3 poteaux faits, et met des bouts de poteaux. Et puis, on va pas tout encore. Donc, si effectivement, il y avait des millions qui ont été débloqués, millions, ça ne m'a pas dit au mangel. Peut-être qu'il y a d'autres conditions qui étaient réunies qui fait que normalement, le travail n'a pas fait. Peut-être que quelqu'un doit faire étude là, puis il vient de rendre compte, il vient d'en bas son madelolier. Il dit, il faut qu'il fasse l'autre bagaille. À ce moment-là, puisque les faits sont là, les papiers sont là, il faut réunir les gens. Et puis, Réléo dit, ok, écoutez, voilà ce que nous avons. Où est-ce qu'on en est? C'est à ce moment-là, je crois que un processus de procès doit commencer. S'il y a rébellion, refus catégorique, à ce moment-là, je pense que mais ça, on peut y aller. Mais mon problème, c'est pas. Le problème, c'est pas que. Pas bien là pour me faire retour en arrière. Ça, oui, c'est pas juste que... parler de conjoncture là. Parce que moi, je pense que dans le pays, ça, nous avons un problème. Le problème, nous rien, c'est que. Tu vois, là, on fait un effort. Regarde ça qu'a fait là, tu n'as pas de grands moyens. On est coincé là. Mais on a un souci de participer dans ce vaste processus qui est
ça m'a capable briller la liberté, d'encourager la liberté d'expression dans le pays. Informer les gens. Voilà, tu es très coincé, nous, parce que j'étais à la nuit, parce que je suis en clotte. Mais il y a cette volonté. Tu as fait quelque chose. Mais il y a des gens dans ce pays qui ne foutent rien. Qui chita toute la journée, qui n'ont que leur gueule. Et avec gueule, ils ont détruit tout. Même ce que tu entends faire, ou bien ce que tu as tenté de faire, dans l'espace d'un clin d'œil, ils ont détruit. Moi, je veux dire, il faut que nous fassions attention. Moi, dans le pays d'Haïti, où là, j'étais jeune. Mal travaillé, côté de la Gonaf, dans l'île de la Gonaf. Les mouvements, les normes, dynamique, à moi seul. Eh bien, mon cher, je vais arrêter moi. Je vais mettre dans la prison. Je vais faire 2 ans de prison. Je vais finir, je prends, dimanche, je vais mettre à l'aéroport, je vais mettre dans l'avion. Je vais exiler, mais je me rappelle très bien que Tiboulé était là, Tiboulé dit qu'il était à l'aéroport. Et c'est à l'aéroport qu'il nous a dit que la clémence du gouvernement, c'est-à-dire que c'était Jean-Claude Duvalier à l'époque, et décidé de libérer nous, mais il estimait que nous étions tellement dangereux pour le pays. J'avais à l'époque combien, 23 ans ou 24 ans, il s'est dit on était tellement dangereux, donc il a préféré voyer nous l'autre bord. Ce qui a été fait, et puis nous partis, nous fait 10 ans dehors, et quand Duvalier est parti en février, nous retournons en avril. Je me rappelle bien, le 4 avril, nous retournons. Et depuis 4 avril, là, nous, là, ça fait environ près de 32 ans. 32 ans que nous n'avons pas. Mais, 32 ans, ça, qui ça nous fait pendant 32 ans, ça? Effectivement, nous toujours continuer et militance, nous, en tant qu'acteurs politiques. Mais en même temps, tout, nous rendons compte que quand même, qu'il s'agit d'une population livrée à lui-même, donc il faut aider la population. Faut que nous jouons contre à tout ce qui est possible de faire pour faire pour améliorer, aider l'améliorer conditions de ville. En fait, sacrifié. Situation toujours même genre. On ne pas dire que situation même genre parce que il y a quand même pas mal de gens qui allaient dans qui je dis à la par exemple c'est vrai qu'on a des lacunes au niveau de l'éducation mais il faut reconnaître aussi que par rapport à l'époque avec Jouka là il y a un nombre quand même assez élevé. De jeunes qui fréquentent l'école, par exemple, zone côté de Sotia, Mabdomaga, elle me sortit dans zone de Koudamari, mais elle me sortit dans Marie, elle me fait certificat dans les années 60, c'est à pied, elle me dit qu'on allait, Jérémy. Jérémy était la ville la plus proche, qui était au moins à 51 km. Ma compte, si tu es filo, laisse ça et tout filo, c'est Port-au-Prince, c'est Port-au-Prince, c'est Port-au-Prince pour faire filo. Le bon, tu vas m'expliquer. Donc, tout bagage, ça, c'est des situations que nous avons vécues. Mais je veux dire, même, ça me l'a dit. Et là où on passe toute étape, ça, il est très difficile pour que. Ou chapper à critique des uns et des autres. Si par exemple, la grande majorité n'est pas sortie, tu as bien aimé que, ou tu même côté ensemble avec lui, tu as marché, etc. Mais, depuis que tu as fait un effort, ou fait un pas en avant, donc ça, il est tombé, il est ballonné avec les critiques. Mais moi-même, ça me l'a dit. Je dis à la, bon nègre, tant que président Jovenel. M'a regardé parcours, monsieur. Après, on s'est dit de bailleur sous monsieur. C'est un type qui s'est engagé très tôt. Dans le business, dans les affaires, alors. On n'a pas dit la construction de sa propre personnalité. Mm-hmm. Elle dit que monsieur a engagé le très tôt. Monsieur, il a fait des efforts énormes. Personnels. Et je pense que l'offre fait des efforts personnels comme ça énormes, ça mérite d'être apprécié. Et je crois que ce n'est pas par hasard. Si par exemple, je l'avais dit à l'époque des élections, je me dis que l'élection a été faite, il était gâté, je me dis, même si nous refait l'élection, c'est M. Cap toujours gagné. Parce que ça fait 32 ans ma situation. Ça fait 32 ans ma suivre même situation. Alors, comme vous avez plutôt suivre la situation politique là, où est qui j'en ouais Paul, où est qui j'en ouais Jovenel, comment suivre pile qui j'en ouais Moïse et Chile Ludo avec Timothée Mouni. Qui j'en ouais Moïse a le mérite d'avoir été maire. Pas besoin qu'on ait qui condition était maire. Il a aussi le mérite d'avoir été sénateur. Je ne sais pas ce qu'il a foutu pendant qu'il était sénateur dans sa région. Mais tout ce que je sais, c'est qu'à un certain moment donné, M. était pour une position assez, pour moi-même, assez négatif en tant que parlementaire. Les que nous étions institués, groupe 6 là, pour moi-même, qui ne pas mener le pays à aucun côté. Parce que, premièrement, c'était des idées farfelues.
que qui t'a défendre, c'était pas vraiment quelque chose parce que et la chose a commencé, c'est-à-dire le groupe 6 a vu le jour à partir du moment que Matéli a décidé de mettre sur pied ce qu'on appelle le CEP permanent. Or le CEP permanent a été introduit et dans la constitution et amendé par M. Préval qui était soutenu à l'époque au Parlement par des hommes tels que Moïse, etc., etc. Mais, à ce moment-là, même en dépit de toute opposition des hommes tels que Steven Benoît, etc., nous étions opposés nous farouchement à Zayo, mais il faut rendre compte que M. Zayo était soutenu pour ce processus comme c'est une date d'être allé. Moïse, après Moïse, on a passé. Oui, à l'arrivée. Non, j'ai dit bien. André Michel. Bon, André Michel, ma Bessouko, je l'ai vu à la radio. Bon, son petit baille, quand un type lui a posé la question, à savoir qu'est-ce qu'il fait. Il fait quoi pour vivre? Est-ce qu'il est professeur? Non, mais il a dit qu'il était avocat du peuple. L'avocat peuple, peuple pas qu'à payer. Parce que soit il défend le peuple là, ça peuple après le jeune pour le payer. Le peuple n'a pas gagné. Si tu es et tu n'es plus professeur, vous êtes avocat du peuple. Sauf si que qu'on y a là ou avocat de grande boîte, il y a une autre façon. Ou bien à ce moment-là, ou bien l'autre source de revenus qui n'est pas connue de tout le monde. Mais sinon, par exemple, si quand on mène un combat politique de ce genre, il faut avoir les moyens de sa politique, c'est-à-dire que avoir un salaire pour que les gens ne doutent pas que c'est mon cap financier sera fait. Ça veut dire qu'il faut que tu sois très clair ou pas avancer dans logique côté que ben on sait que il est rémunéré de tel côté à partir du fruit de son travail, etc. Mais quand vous ne faites rien, on vous voit constamment dans les rues, à ce moment là ça devient dangereux. Et c'est même pas aussi un modèle, je veux dire, pour les jeunes, parce que si vous entraînez les jeunes à s'aventurer dans cette direction, à ce moment là il n'y aura rien comme production nationale. Et pour vivre comme ça, dans la vie avec ça, le capable de comme moyen, parce que quand on t'a dit ça, le comme moyen, il n'a pas besoin de l'opulence, de la richesse, des gros machines, etc. Il faut vivre comme ça, et puis il s'est engagé à côté du peuple. Non, à ce moment-là, j'ai dit, je suis parfaitement d'accord, c'est un engagement pour vivre avec ce que vous avez comme moyen. Et ces moyens-là, l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. C'est-à-dire, tu dois les gagner. Tu dois les gagner en travaillant. Non. Mais c'est ce que je te dis. Oui, C'est-à-dire qu'il peut être soit consultant, etc. Oui. Mais je t'avais bien dit tout à l'heure que je ne suis pas disposé à parler des gens que je ne connais pas. Oui. Je peux parler, par exemple, de Moïse, qui a travaillé avec moi au Parlement. Je peux parler, par exemple, de Beauplan, qui a travaillé avec moi au Parlement. Comme sénateur. Mais pendant un certain temps, et ceci pendant une période de 6 ans, donc ça, c'est suffisant pour qu'on ait un individu. Oui. Mais, ou m'a dit, par exemple, de Louis d'Or. Louis d'Or, c'est quelqu'un que je croise peut-être. Très rarement, c'est pas un ami, c'est pas quelqu'un. Il avait travaillé, il était des CPJ. Écoutez. Il était au niveau de la police nationale avec Jean-Marc Aristide. Écoutez. Je ne pense pas que nous besoin de tourner sous bagage. Qu'on y a là quand il était dans des CPJ. Nous pas besoin de tourner. Non, on parlait de travail. Nous pas parlé de travail. Donc, pas besoin qu'on ait ça. Parce que je ne sais pas qu'on est. En fait, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Mais je voudrais revenir sur le cas de André Michel. Non, André Michel. André Michel, ma bille sur Jovenel. Après tout ce qu'on dit, on comme si son nouveau compte source de financement côté le TI, ça l'a fait, moi je pense le capable consultant parce que là vivre avocat, on dit avocat du peuple pas capable, c'est vrai. Mais maintenant comment se fait-il que cet homme aujourd'hui puisse faire trembler tout au pouvoir avec intelligence avec homme? Comment se fait-il que André Michel ait pu arriver lui-même comme chef de file, parce que finalement c'est lui le chef de file, c'est pas Moïse, non? Moïse c'est candidat bagaille, gros bagaille depuis enfant. Mais c'est lui quand ou à la conférence de presse, suivre psychologiquement pour ouais, l'autre leader ou là. Mais André Michel, tout ça n'a pas été dit là, mais André Michel, il gagne sympathie dans le groupe de la population. Il trempe des balles, il fait 6-7 ans, mais il était là-dedans. Mais reste, nous remarquons que c'est lui devant. Je vais te dire une chose. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que ce qui s'est passé, c'est le fruit du travail de chacun d'entre nous, c'est-à-dire que la construction d'un processus démocratique dans ce pays qui permet à tout un chacun de pouvoir s'exprimer et qui permet aussi que, c'est-à-dire les efforts que nous avons consentis, je viens juste de te parler du temps que j'ai passé en prison, bien sûr. C'est tout phénomène ça qui conduit
à sa nourrir les jeudi à la construction de cette société démocratique que timidement on a essayé de mettre sous pied. Et je crois que André Michel fait partie de monde qui bénéficiait de cet espace-là. Parce que, imaginez, jeudi à qui date? Jeudi à c'est 26 novembre. Rappelons qu'en 1986, ce qui s'est passé le 28 novembre 1980. Oui. Donc ça veut dire que et nous avons aboli ce genre de choses. Donc aujourd'hui, la liberté d'expression est devenue presque un droit. Je crois que c'est ça. Maintenant, est-ce qu'il a fait trembler? Je ne crois pas. C'est pas une question de faire trembler. Question en plus, penser que c'est plutôt une question de violation des droits de la personne qui a joué là. De à quel niveau? Écoutez bien. Oui, mais pose question. Violation des droits de la personne. Imaginons aujourd'hui, là, par exemple. J'ai entendu ce matin à la radio des syndicats, en fait, de chauffeurs, qui à la radio, qui a dit que Ils ont besoin de sortir dans la rue. Changer mes lieux. Ils n'ont pas de lancer mot de grève. Parce qu'ils n'ont pas de consulter. Ok. Maintenant, bon, en tant que syndicat, pour lancer un mot de grève, il faut gagner dans mon. C'est-à-dire que si l'augmentation essence montée, ou bien droit, ou bien on l'autre. Ben, mais les lancements, en fait, là, n'est pas au courant. N'est-ce pas dit, comme c'est là, ils ont désengagé de grève là. Mais le fait de l'avoir fait, sans les avoir consultés, sont violations de droits mondiaux. Je dis à là, par exemple, dans le cadre, par exemple, d'un combat politique pour le changement, dans le cadre d'un combat politique pour le changement, par exemple, du système, etc., avec un programme bien défini, on va comprendre qu'on peut aller très loin. Mais je dis à dire simplement que des gens qui s'amusent chaque jour, ou viennent avec des bagailles comme Tindado, que des revendications qui sont, à mon avis, insensées. Insensées dans le sens que nous devons, si nous construisons un processus démocratique, nous devons respecter les règles de ce processus démocratique. Jovenel a été élu président de la République. Pour moi, c'est normal à ce que s'il commet des erreurs, il fait une série de fautes, eh bien, il faut le rappeler à l'ordre. C'est pour ça aussi qu'il y a un Parlement, il y a la Chambre des députés, il y a le Sénat de la République qui peut toujours, eh bien, constituer tête chaud. Le Sénat peut toujours se constituer en haute cour de justice et puis la Chambre des députés qui doit faire injonction à président, etc. Mais... Ça, t'es toujours dit, c'est bon, Aristide d'aller. Là, par exemple, non. Quand Aristide est parti... Aristide est parti à partir de un bruit de mouvement armé. Il y a eu tentative de prise de pouvoir par un mouvement armé. Qui est première ou deuxième version? Première version. Deuxième version. Première version, c'était un coup d'État. Deuxième. Ça veut dire qu'il était élu tout. Il était élu. Et c'est pour ça qu'on a mené le combat pendant 3 ans pour qu'il revienne. C'était antidémocratique. C'était antidémocratique. C'est pour ça que la majorité du peuple haïtien a en quelque sorte mené ce combat pour que Aristide retourne au pays. Exact. Après le premier coup d'État. Comment se fait-il que les Lavalassiens aujourd'hui réclament le départ de Jovenel? Bon, ça c'est à eux de voir. Ah, non, mais non, tout non. Ce que je sais en tant que citoyen. Moi, je pense que après ce que j'ai vécu dans ce pays, pour avoir été en prison, pour avoir été en exil, et pour avoir connu les difficultés que moi, que vous vous rappelez sans doute que même sur le temps de Préval, il a envoyé une équipe de gens cerner ma maison, Madame Marie. Donc ça veut dire que c'est pas demain la veille que je finis actif de Baïsao, et bien, Mabdou, ça qui passe. C'est ça qui fait que je prône plutôt aujourd'hui un certain dialogue dans ce pays. C'est-à-dire que même quand le président Jovenel a gagné les élections, il est au pouvoir, les gens disent que ce n'est pas légitime, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, etc. Mais il a été élu. OK, selon les normes de la Constitution et la façon dont les élections ont été organisées. Aujourd'hui, s'il y a des difficultés, il a le droit. Comme il y a des difficultés. Il a le droit de faire appel à tout citoyen qu'il estime capable de lui apporter un soutien. On a dit, sénateur. Comme ou pas la président. Quand? Comme conseiller. Ah, pourquoi nous disons comme ça, pas la veille? Non. Ah, ok. Pas la veille. Je veux dire comme la table, bon, même, pas du tout le temps. Allez-y, okay. Vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Allez. Ou toujours dit mon menti, là, on va mentir. Non, ou toujours dit mon menti, ou pas, mais vous comprenez. Avez dit, comme vous parlez avec le président, est-ce que vous faites une analyse? Et vous dites, président, mes situations réelles, pour nos pays, misère, pour nos pays, côté grand groupe, nous n'en face, qui c'est l'opposition, démocratique et conseil ONL, hein, et conseil ONL, nous sortons dans la rue, nous faisons semaine manifestation, grève, même si grève la journée, on se dit ça, et pas une grève qui réussit, mais bon malaise, est-ce que nous parlons avec elle pour analyser, pour nous dire, mais ça qui est à la base de ça. Parce que finalement, tout le monde a pu dire, président manqué monde bon côté qui vous fait le ou l'autre réalité. Bon, les gens peuvent toujours dire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que parce que depuis qu'ils ne parlent pas dans la direction.
C'est que vous pensez que normalement, rien n'a été fait, rien n'a été dit. Même ça me pense ce qui est important, c'est que premièrement, le président Jovenel a été élu dans le cadre d'une organisation politique. Bon, si vous prenez par exemple mon cas personnel, je ne fais pas partie de son organisation politique. C'est-à-dire qu'on s'est rencontré chemin faisant et après la défaite, il m'a demandé est-ce que je pouvais éventuellement venir donner un coup de main. Moi, j'ai dit que... À quel niveau? Au conseiller? De toute façon, je n'ai pas été ministre, je n'ai pas été directeur général. Non, c'est pas... comme conseiller. Donc, vous avez bien compris pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que vous lui parlez. Parce que comme conseiller, on est quoi? On n'aurait même pas l'autre avec bébé. Ça veut dire, ou pas la fête. Bon, la question, c'est qu'il y a une chose. Vous n'avez pas été aux élections, vous n'avez pas été élu. Même quand vous êtes conseiller, vous devez attendre à ce qu'on vous demande dans votre opinion. C'est-à-dire... Ah, c'est comme ça? Mais normal. Oh, si par exemple, M. Abtravavo, là. M. Abtravavo, pas qu'il y a aucun problème. Mais, supposons que M. Abtravavo, là, ou fait tout effort ça, ou fait effort ça. Monsieur, qui doit venir, il dit, ah, mon cher, c'est de vous-même, mais ça me tape. Exactement. Oui, mais quand même, il s'agit d'un président de la République, ou pas pour le camp, et vous dire, et Kalao, et on ne fait pas une telle jantelle. Non. C'est-à-dire que la crise est là, c'est un problème, le président convoque son cabinet, et il demande à chacun de dire ce qu'il pense. Donc, bien sûr. Tout le monde donne son opinion. Mais l'évaluation finale, c'est à lui de le faire. Qui opinion ou bah sur ce qui a passé aujourd'hui? Tout ce qui a passé, m'kabaye. Parce que le peuple n'a pas qu'à passer sur moi. Ça nous même nous passer. Deal. Non, le peuple m'a vu au boulot depuis toutes ces années. Le peuple sait ce que je pense généralement. Et ce que je pense, je le dis toujours. Mmh. De toute façon, pour moi, j'ai conseillé au président, par exemple, d'aller dans la direction de cette affaire de pas plutôt Caribé. D'abord, cette affaire de les états généraux sectoriels dans le cadre de rassembler les gens. J'ai toujours conseillé au président, par exemple, pour moi, pour alimenter même cette affaire de caravane de changement. Pourquoi? Parce que moi, je viens d'une zone extrêmement reculée du pays et puis très difficile d'accès. Et j'ai vu le boulot qui est fait, par exemple, du côté des Iwa. Aujourd'hui, c'est une ville qui a l'électricité 24 sur 24. J'ai vu aussi. Grâce à Jovenel. C'est lui qui l'a initié. Non, oui. J'ai vu aussi, par exemple, moi, j'étais en campagne pendant les dernières élections. Je suis sorti Kafouza Bouka pour m'arriver Kouraï en passant par Pistel. Ça, on prend n'importe 5-6 heures de temps. Et quoi maintenant? Maintenant, c'est presque un parcours. Je veux dire, parce que, même, ok, la route n'est pas asphaltée, mais quand même, elle est en terre battue, et puis, mais quand même, la voie est possible. Est-ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui que le président Jovenel, c'est quelqu'un qui a réussi, qui a bien travaillé, ça veut dire, les mouvements de contestation Mbap dit qu'il a réussi. Mbap dit qu'il a réussi. Ou réussi, c'est l'heure où finir pour faire bilan. Est-ce qu'il a fait beaucoup de choses? Mais moi, j'estime que. Et ces journalistes, vous voyez, ou journalistes, et je connais tout qui l'a, peut-être ces journalistes, parce que je ne connais pas tout ce qui l'a, mais je vous dis, regardez par exemple, et ça fait m'insister sous 32 ans, de parcours. Regardez pendant la période 32 ans, ça, les différents régimes qui passaient sous pouvoir, font évaluation des travaux réalisés, de ce qui a été réalisé dans le pays. Pourquoi? Si je dis à la gagner possibilité par rapport à ce que Jovenel a fait et ça l'autre fait. Moi, je pense que Jovenel, je ne dis pas que Jovenel a tout réalisé, mais tout ce que je sais, c'est que dans l'espace de 2 ans, je crois que si on va à travers le pays, par exemple, même fait près de 10 heures de temps pour me quitter, pour m'aller et pas de paix. Actuellement, moi, j'ai une amélioration qu'a fait. Oui, moi, pensez que, par exemple, c'est comme si on a dit là, mouvement de protestation, c'est bon, qui justifié. Non, j'ai dit que c'est justifié dans la mesure que, sur cette affaire de Petro-Caribé, c'est ça que tu es à la base. C'est bagaille à la base là, moi, je pense que je suis parfaitement d'accord avec ça. Dans le sens que, s'il y a Petro-Caribé, il y a dilapidation, le président de la République en tant que responsable des institutions du pays a pour devoir de diligenter une enquête pour que normalement, si procès il doit y en avoir, oui. Mais ce n'est pas quelqu'un de la rue pas capable de
pour dire que il comporte un parti civil et puis ça ne se fait pas. Quand même, il faut respecter l'État, il faut respecter l'institution. Vous comprenez dans ce sens ça même passé. Alors, où t'es viré pour me dire que pendant 32 ans, ça, il suffit de voir les différents gouvernements. Par exemple, je prends le cas Feu, président Prival, qui a passé 10 ans au pouvoir. Ben, il suffit de voir ce qui a été réalisé pendant ces 10 ans. Ah, monsieur Farahout, monsieur. Hein? Il suffit de voir. Oui. Je prends par exemple le cas, par exemple, de monsieur Matéli, qui a passé lui 5 ans. En fait, ils sont deux à réaliser les mandats. En fait, plus ou moins complet. Vous comprenez? Monsieur, bon, Matéli, comment on a traité Matéli? Matéli, son équipe politiquement pour moi-même. Pas ton équité dans la politique, d'après ça, je comprends. Parce que depuis jeune, j'ai parlé de monsieur comme on est qui. On prend son musicien. Mais il est arrivé au pouvoir. Peut-être qu'il n'était pas suffisamment armé de magma politique pour te permettre que. Mais il a tenté de faire quelque chose. C'est un homme débonnaire qui a essayé de faire quelque chose. Bon, il a mis des erreurs comme tout le monde. Mais dire que Jovenel est responsable aujourd'hui de tous les maux de ce pays, je trouve quand même ça scandaleux. Parce que un homme qui est arrivé au pouvoir avec un pays qui est comme Sindadou. Pauvre d'un coup, job, puis il n'y a pas grand rien là-dedans, il n'y a pas aucune ressource. Regardez par exemple, tentative qui fait là, par exemple, contre les nègres doux, à chercher l'argent, côté l'argent. Regardez une petite tentative qui fait hier avant, il y a un douane mal passe là. Regardez combien de monde qui mourit. Oui. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même un pays assez bizarre que nous gagnons, très difficile à gérer. Donc à ce moment-là, moi j'ai dit, avoir monsieur Jovenel Moïse, président, et décréter que la condition sine qua non pour mener le procès Petro-Caribé, c'est son départ, je trouve ça là encore un peu douteux. Donc par conséquent, si par exemple c'était pas des hommes qui étaient aux élections comme lui, par exemple que j'ai de Moïse était aussi aux élections, oui. Que j'ai André Michel était candidat au Sénat, tout négo. Et Louis d'Or il supportait par exemple la candidature de madame Maryse, etc. Donc ça veut dire que là vient mon petit côté jaloux de questions en termes d'interprétation politique. Là. Voilà, vient mon petit côté jaloux. Pourquoi exiger son départ? Pourquoi ne pas exiger que le système judiciaire soit renforcé et pour que justice soit effectivement faite? Mais je vais continuer. Non, deux nègres, vous voyez les gars. Oui, même si vous posez des questions, moi, je vais vous parler. Oui, ça va, Val. Je vais poser une question pour amener et puis vous allez continuer. Parce que nous, on est fondé sur Wakid là tout. Oui. Est-ce qu'on a un nom ministre de l'Agriculture? Monsieur, il est... En grand. Où est-ce qu'on a un nom ministre de commerce là? Bon, je ne connais pas tous les noms, mais je sais que... Où est-ce qu'on affaires sociales? Abandonne. Ok, vous voulez que ça me pose une question? Oui. Là, on est court, on fait tout le temps ça, à mérité. Si on est respectable, respecté dans l'OPL, parce que moi-même, je ne suis pas de zéro avec ça. Mais... Moi, t'es connu après ça. Parce que nous, on a la bibliothèque là, le bois. Elle avait dit qu'on a qu'il école. On sorti et qu'il école tout créé. Moi, je me pose une question, c'est que je ne suis pas connu tout comme journaliste. Mm-hmm. Ou même, quand vous lui dis, politicien, ou dit pas me poser parce que je ne suis pas connu tout. Est-ce que vous trouvez normal? Un pays où fait 32 ans après politique là-dedans. Mais plus que 30 ans, depuis que c'est journaliste dans le pays, et puis pour le gouvernement, 95% de la commission, pour ne pas compter. Est-ce que c'est normal? Bon, ça dépend. C'est-à-dire que vous pouvez toujours former un gouvernement de consensus avec d'autres partenaires. Par exemple, si vous prenez par exemple un parti politique comme OPL, qui est souterrain, OPL sont un grand parti qui a aussi des gens extrêmement calés. Mais OPL n'a pas été invité à la formation de ce gouvernement. Je pense que les gens qui étaient au Parlement, c'est-à-dire que ce soit les sénateurs et les députés qui forment une majorité qui aide le président, ils se sont arrangés pour qu'il y ait... Mais le problème pour moi, ce n'est pas que la personne soit inconnue. Ce qui est important pour moi, c'est l'engagement que Mounsa a pour hier. C'est comment ces gens-là sont effectivement se sentent engagés vers le développement de ce pays. C'est-à-dire que, et c'est ce que je reproche aussi à ce mouvement qui se fait là, c'est-à-dire c'est le manque de respect à la fois pour la population et manque d'amour pour le pays. Parce que j'estime que le pays n'est pas aimé. Le pays n'est pas aimé, c'est dans ce sens-là, moi, penser que mon problème, ça m'appelle. Moi, j'ai pas de problème que les gens se mettent en croix et puis essayent, par exemple, de faire passer leurs revendications. Mais il faut que ces revendications, à mon avis, soient justes. Il faut que ces revendications soient aussi quelque chose de partager
par la majorité. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui, par exemple. Ça veut dire que tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait un certain ras-le-bol. Oui. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas demander à des individus de s'ériger un juge pour organiser un procès. Il faut qu'il y ait des mesures, et il faut que des mesures soient prises. Et je crois que c'est ce que M. Seyé est en train de faire. C'est-à-dire qu'il a essayé d'ouvrir un certain dialogue pour voir que s'il est capable de mettre justement processus là en bas. Mais il faut qu'il y ait du temps. Mais maintenant, là pour un petit peuple aussi affamé, grand goût, et puis vous faites, ils font semaine par exemple, la supporter et mouvement là. Et pour lever lundi matin encore, dit recommencer pour Biret, là on manque de respect et je pense que ça c'est extrêmement important. Merci Abril. Il y a pas de quoi. D'accord. Nous allons recevoir Kouniala, sénateur Kédan Augustin. De la politique. Il faut politique la vie nous déjà moderniser. Parce que nous pas capable faire politique. Imaginons depuis 32 ans, nous avons répété les mêmes choses sans aucun résultat. Ça veut dire que parce que nous refusons de nous dialoguer, nous refusons de parler entre nous. C'est-à-dire que tu comprends par exemple Moïse qui vient de la même région que M. Jovenel, ou bien comprends André Michel qui est ici à Port-au-Prince. Comprends tous ces acteurs-là. Comprends? Moi, je suis contre, effectivement, même quand j'avais été en prison, ou par exemple, quand Duvalier est retourné, il y a des gens qui sont venus me demander de porter plainte, etc. Je me dis, mais porter plainte pour quoi? Contre qui? Et parce que pour moi, j'ai vu que Jean-Claude, je l'ai vu à l'aéroport, j'ai vu que c'était un homme mourant. Donc, est-ce que je vais porter plainte pour ça? Donc, maintenant, c'est la même chose aujourd'hui. Je pense que ces gens-là, aujourd'hui, les Haïtiens doivent pouvoir dialoguer parce que le pays a presque vu un seuil, côté que nous ne sommes pas plus loin que dans la labyrinthe noyé là. Donc, par conséquent, pour que ça fête maintenant, il faut que normalement il y ait courtoisie. Il faut que gagner, par exemple, des sacrifices. Il faut accepter. Pour qu'on ait que, faut rentrer dans la logique là, logique de dialogue là, logique de partager idéaux pour nous venir au point de sortie. Et partager pouvoir tout. Eh bien, c'est à travers justement ce dialogue qu'on va pouvoir partager le pouvoir. Mais comme j'ai dit, quand on est au pouvoir, la question c'est pas de s'asseoir, soit sous pouvoir, c'est quel est votre engagement pour le pays. Est-ce que vous êtes engagé? Par exemple, on prend une question de Juste Frontier Fleury tout à l'heure, quand j'ai parlé par exemple de la caravane. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours dit au président, écoutez, caravane, non, pour le réussir, il faut que normalement, mon capteur la croit là-dedans. Il faut le croire qu'effectivement, il faut l'engager. Et si par exemple, cet engagement avait une portée vivifiante, je dis à l'âme, parce que il y a un pays qui met. Et tous ces pays-là, par exemple, que ça y est de Rwanda, ou bien de pays tels qu'Afrique du Sud, etc., il ne faut pas jamais oublier que pays, ça, l'Éthiopie actuellement, et même, on n'a pas capable de dire, un pays tant que l'Érythrée, pays ça, il y a une forme de caravane qui sont une sorte de stratégie que vous mettez sous pied parce que, en fait, le budget n'a pas permettre de faire ce type de développement, ça, par exemple. Ça, vous avez un problème, vous allez finir. Vous avez un problème de caravane. Toutes les compagnies, vous avez un problème encore. Compagnie, c'est pas en fait caravane, c'est pas seulement en route. Caravane, c'est au niveau de l'agriculture. Caravane, c'est par exemple, donc c'est de contrat. Non, c'est tous ces contrats au bail, compagnie, tous ces contrats au bail. Dans la Tibonite, c'est que grand pile quoi débloqué pour l'autre bois, mais les jeunes viennent, quoi, pas fait encore, non? Bon, oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je venais se trouver en difficulté. Justement, c'est un conspire. Oui, à ce moment-là, moi, ce que je veux dire, ce qui est important aujourd'hui, moi, c'est que j'encourage, par exemple, le président Jovenel, c'est que, comme il l'a bien fait, d'ailleurs, il a demandé à M. Seyé, qui est son premier ministre, premièrement, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait fidélité
entre les deux hommes, premièrement, pour que M. Seyan s'engage justement dans cette voie de négociation. Parce que quand une société est en crise... Non, il faut dire bien. Qui s'allie? Tous les deux pour engager. Les deux? Les deux. Parce que si le président... Si le président a exécuté sa présidentielle, et que le président lui-même, il a respecté l'engagement. Ils sont deux hommes politiques. Les deux étaient candidats à la présidence à la même période. Il y a une qui passait, qui arrivait président. Voilà que, par exemple, dans l'élégance Jovenel Jodia, même quand il y a crise, mais il a quand même fait preuve de courage, il a fait appel à Seyan, il aurait pu faire appel à quelqu'un d'autre, mais il a fait appel à Seyan. Comme Gardi Leblanc, par exemple. Jodia, je pense que il faut que ces deux hommes ils se mettent ensemble à la recherche de solutions. Parce que qu'il s'agisse de Seyan, qu'il s'agisse du président Jovenel, moi, tous les dégâts, même amour pour pays, il n'y a rien de changer, eh bien, qu'ils ont entré dans la logique ça, et que pour que normalement le dialogue soit. Le problème, c'est que. C'est les individus qui généralement refusent le dialogue, mon qui parle les dialogues là, c'est parce que normalement pour refuser le dialogue, c'est parce que tout simplement il n'y a pas un amour capable de dire incommensurable là, pour ce peuple et ce pays. Alors dans ce sens là, ce que je souhaite, j'appelle par exemple à tous ces messieurs qui sont aujourd'hui qui se proclament leaders ou bien qui sont des leaders, pour que il passe par la voie du dialogue. Et puis nous-mêmes dans la radio à tout, félicitez-nous pour ça, c'est-à-dire que nous toujours font effort, parce qu'il y a quand même des certaines stations de radio parfois qui trop pour payer. Donc nous-mêmes, moi quand même, nous faisons effort pour que nous ayons un équilibre. Pendant que nous avons des informations, nous avons des analyses, mais comme des analyses équilibrées, qui permettent que jeunes captants de population, captants de la plus ou moins, ils font inventer lui-même, ça veut dire faire un bon travail pour eux. Mais ce n'est pas directement d'une manière linéaire. Et puis on a dit, mais je pense que c'est très important et j'apprécie. Donc à ce moment-là, moi je suis obligé de me tailler parce qu'il y a notre sénateur, mon sénateur à moi que j'aime beaucoup d'ailleurs et que j'ai participé à plusieurs émissions avec lui dans le temps. Et je vous dis à me dépenser que l'étape là, à me dépenser l'étape sous table là. Un téléphone.